Bom dia a todos. Com imensa alegria que eu dou início a esse evento Brasilianas, Colecionismo, Bibliotecas, Pesquisa, Identidade Nacional. Bonjour à tous les collègues qui sont en France. Avec une grande honneur et joie que j'ouvre cet événement avec des collègues en France. Excusez-nous pour ce retard, desculpem por esse ligeiro atraso no início da transmissão. Enfim, um atraso que é pequeno com relação ao que nós gostaríamos com relação a esse evento, porque nós teríamos gostado muito de fazer esse evento presencialmente. Na verdade, nós havíamos já agendado duas datas anteriores, em março de 2021, depois em outubro de 2021, porque nós queríamos muito que esse evento fosse presencial, com a presença, inclusive, dos nossos colegas e amigos franceses aqui em São Paulo, na Biblioteca Brasiliana Mindlin. Isso, infelizmente, não foi possível por causa das condições sanitárias, e acabamos renunciando ao encontro presencial e estamos realizando agora esse evento em modo virtual pelo canal YouTube da BBM, agora em fevereiro de 2022. O formato, portanto, será virtual. Acho que muita gente já está mais ou menos acostumado com essa dinâmica, por força das circunstâncias, não é a que mais gostamos, mas é o que é possível fazer nas circunstâncias atuais. Então, todo o evento será em modo virtual, transmitido pelo canal YouTube da BBM. Eu, eventualmente, se houver tempo, ao final das exposições feitas em francês, eu farei um resumo das comunicações em português. Isso se apenas se houver tempo, um breve resumo apenas para situar aqueles que tiverem mais dificuldade em acompanhar as exposições em francês. São apenas quatro exposições que serão feitas em francês, então, eventualmente, eu farei esse recurso. Na dinâmica da plataforma que nós estamos usando, o StreamYard, as questões elas serão feitas sempre ao final das exposições da mesa, né? Então, teremos mesas com três ou quatro convidados. Os três ou quatro convidados farão suas exposições, uma em seguida da outra, e é ao final da mesa que nós abriremos para debate. As perguntas, portanto, para o debate, elas têm que ser feitas por meio do chat, o chat que se encontra à direita da tela de vocês. Vocês redijam suas perguntas ali e o moderador da mesa vai acolher as perguntas e encaminhar aos expositores a quem as perguntas serão direcionadas, né? Eu quero ainda dar mais alguns poucos avisos antes de fazer os meus agradecimentos. O evento será todo gravado e disponibilizado no site da Biblioteca Brasiliana Mindlin. Isso após a edição, quer dizer, a liberação dos vídeos não será imediata, haverá um trabalho de edição dos vídeos para cortar, enfim, aquelas zonas de ruído e deixá-los mais limpos, né, digamos assim, e disponibilizados no site da biblioteca, então, assim que possível. Eu queria, então, a parte agora mais pessoal, digamos assim, mas também institucional, mas de agradecimentos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, às colegas e amigas que organizaram este evento junto comigo, Marisa Midori de Aecto, da Escola de Comunicação e Artes da USP, a professora Hilda Mendes dos Santos, da Université Sorbonne Nouvelle, e a professora Iris Cantor, minha colega na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e diretora do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica, que me ajudaram na concepção científica desse evento e na organização prática desse evento também. Queria agradecer também à equipe da Biblioteca Brasiliana Mindlin, especialmente a Yara Vasconcelos Brás, o João Marcos Cardoso, Francisco Ribeiro Pereira e Rodrigo Garcia, que nos ajudaram na execução do encontro. E aos 25 participantes, sejam os que apresentam trabalhos no Brasil e na França, sejam os moderadores de mesa, igualmente no Brasil e na França. Muito obrigado à participação e à ajuda de todos vocês. Eu vou fazer um breve comentário sobre algumas questões que justificaram e nos motivaram a organizar esse encontro, antes de passar a palavra à nossa convidada, que fará a conferência de abertura. O comentário que eu queria fazer sobre esse seminário é que a gente constata que há dezenas de coleções brasilianas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Para citar alguns exemplos apenas, há no Brasil a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Mário de Andrade, o Instituto de Estudos Brasileiros, que vocês talvez vejam aqui ao fundo, né, da minha tela, a Fundação Casa de Rui Barbosa, o Instituto Itaú Cultural. E no exterior, nós poderíamos citar, entre muitas outras, a Biblioteca Brasiliana de Robert Bosch,
as coleções da John Carter Brown Library, da Oliveira Lima Library e das universidades norte-americanas de Stanford, Texas, Yale, Califórnia. Enfim, são muitas coleções de brasilianas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E uma interrogação inicial nossa era justamente sobre o que unifica ou não unifica essas coleções todas. A biblioteca de Guita e José Mindlin, por exemplo, que promove esse evento, incorpora tendências de ampliação do conceito de brasiliana, que pode designar não só livros raros e especiais, mas qualquer coleção relevante que registre e permita compreender o Brasil em diversos aspectos, histórico, social, cultural, natural e artístico. Nesse sentido, uma coleção de brasiliana pode agregar, além de livros e manuscritos, outros objetos como gravuras, pinturas, fotografias, documentos sonoros e audiovisuais, o que nos abre para outras coleções importantes de brasiliana, como a da Pinacoteca, aqui do Estado de São Paulo, e do Instituto Moreira Salles. A chamada para esse colóquio, que se abre hoje, coloca em questão e em relação colecionismo, biblioteca e pesquisa, situando-os dentro da noção cada vez mais complexa de identidade nacional. Conforme redigimos ali na ementa desse colóquio, e há várias mãos, inclusive a do curador João Cardoso, aqui presente, que nos acompanha na transmissão hoje, o efeito multiplicador do termo brasiliana se revela não apenas pelos traços distintivos que um colecionador impõe à sua coleção, mas também pelas diferentes formas de apropriação e de institucionalização do acervo. Nesse contexto de um colecionismo ampliado, mas que mantém um perfil marcado por um recorte nacional, cabe indagar, contudo, como tais coleções podem responder à demanda de pesquisadores que conectam espaços que transcendem territórios nacionais e visam temáticas que ultrapassam aquelas ligadas à construção da identidade e da memória nacional. Se a globalização antecedeu o Brasil e ainda resiste a que o país afirme a sua soberania e sua identidade nacional, como situar hoje coleções de brasiliana concebidas no modernismo de 1922? Essas são algumas questões que nos colocamos, os quatro organizadores desse colóquio, e que a gente gostaria de discutir com todos vocês ao longo desses três dias que se iniciam agora, a partir de hoje, né? Para dar início a essa reflexão, nós convidamos para fazer a conferência de abertura a professora Regine Piersanti, aqui presente, e a quem eu agradeço vivamente e dou as boas-vindas. Muito obrigado, Regine Piersanti, por estar conosco aqui. Eu a apresento brevemente, é uma interlocutora desde a primeira hora em que pensamos em organizar este evento. Eu estive em contato com ela frequentemente para conceber esse evento, numa visita que eu pude fazer à Biblioteca Nacional da França, e é a Regine Piersanti que ajudou a viabilizar um convênio ativo, existente hoje, entre a Biblioteca Brasiliana Mindlin e a Biblioteca Nacional da França. Convênio esse que compreende desde a organização de eventos e publicações conjuntas até a troca de objetos digitais entre a plataforma gálica da BNF e a BBM Digital, né, que vai permitir vislumbrar justamente em termos práticos e concretos, digamos assim, apesar de serem objetos virtuais, mas noções ampliadas de brasiliana. Nós devemos começar muito brevemente uma troca de objetos digitais. A BBM alimentará o site Gálica e a Gálica alimentará o site da BBM Digital, ampliando suas coleções virtuais. É a Regine Piersanti também que acolheu o curador da biblioteca, João Marcos Cardoso, em duas estadias na Biblioteca Nacional da França, a última delas agora em dezembro passado. Regine Piersanti, que eu apresento, é graduada em Letras e em História da Arte. Foi documentalista no Liceu Francês, aqui em São Paulo, de 1997 até 2001. E de 2001 até 2021, por 20 anos, foi encarregada das coleções em Língua e Literaturas de Expressão Portuguesa na Biblioteca Nacional da França. Também foi chefe de projeto do portal digital La France au Brésil, entre 2008 e 2017, e responsável científica pelo site França Brasil, entre 2009 e 2021, fruto de uma parceria entre a BNF, a Biblioteca Nacional da França, e a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É uma honra e uma alegria muito grande recebê-la, Regine, para fazer a conferência de abertura desse evento sobre Patrimônio Partagé et les sites France-Brésil. Muito obrigado, Regine. Seja bem-vinda. A palavra é sua, por gentileza. Bom dia. Agradeço à Biblioteca Brasiliana e Carlos
Dizeram que o convite e lamento de não poder estar com vocês em São Paulo. Je souhaite donc vous présenter aujourd'hui le site France Brésil et je pense qu'il faut que je dise en préambule que c'est João Cardoso que je remercie qui va m'aider dans cette présentation puisque j'ai un problème technique de mon côté, du côté français. Merci João. Ce site France-Brésil, collection numérique dont l'objectif est de rassembler un large corpus de documents brésiliens et français tout en les contextualisant grâce à des articles inédits. Et ce patrimoine documentaire, tel qu'il a été conçu et ne cesse de s'enrichir, nous paraît s'inscrire dans le droit fil de l'esprit qui anime les Brasilianas. Ce patrimoine, en effet, la force de ce type de collection, plutôt, c'est qu'elle recrée virtuellement un ensemble cohérent à partir de sources documentaires multiples et dispersées, mais dont le regroupement fait sens. L'objectif étant évidemment de multiplier aussi les points d'accès aux documents, et c'est bien la singularité d'une telle collection que de relier entre eux des documents appartenant simultanément à plusieurs fonds, ce qui est rarement le cas dans une bibliothèque physique. Créé en 2009, donc après ce visuel d'accueil qui correspond au visuel actuel, je voudrais vous montrer le visuel tel qu'il était au moment de sa création en 2009. Il est issu, ce site, voilà, donc la diapositive à l'écran est celle qui était présente en 2009 lorsque, via le fruit d'un partenariat entre la Bibliothèque de France et la Bibliothèque nationale du Brésil, nous avons créé ce site bilingue qui relève d'un projet scientifique qui s'inscrivait alors dans le cadre de l'année de la France au Brésil. Il a été inauguré en 2009 à Rio de Janeiro et le site s'est donc appelé d'abord la France au Brésil. Il préfigurait déjà l'esprit de la collection numérique des patrimoines partagés, développée par la BNF en 2017 et dédiée aux relations entretenues entre la France et divers autres pays. Et puisqu'il s'agit de croiser les regards et les perspectives et de faciliter un échange des savoirs et des compétences entre nos deux pays, nous l'avons plus simplement rebaptisé en 2018 France-Brésil. La troisième diapositive évoque le partenariat entre la Bibliothèque nationale de France et celle du Brésil. Et ce partenariat repose sur deux équipes, a reposé sur deux équipes à l'origine en 2008 et 2009 avec notre collègue Angela Montero Betancourt, coordinatrice de la BN Digital, la Bibliothèque nationale numérique qu'elle a créée en 2006 et elle était aussi chef de projet du côté brésilien et nous avons pu réunir autour de nous des professionnels des bibliothèques et des universitaires et nous appuyer sur l'expertise d'un conseil scientifique coordonné par les deux autres membres fondateurs de notre équipe, Hilda Mendes dos Santos, maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle, et Michel Riodel, professeur à l'Université de la Sorbonne, qui nous ont permis de mener à bien cette aventure et dont le dynamisme perdure 13 ans plus tard. Le site a d'abord été hébergé sur un serveur unique à Rio et il est désormais placé d'un commun accord sous la tutelle de la Bibliothèque nationale de France. L'éditorialisation a été dès sa création l'un des axes forts de ce site, qui compte aujourd'hui sous l'égide d'une partie de l'équipe constitutive que je viens d'évoquer, une quarantaine de collaborateurs,
des rédacteurs occasionnels ou pas, français et brésiliens, mais aussi des traducteurs chargés de transposer les articles d'une langue à l'autre. On dénombre plus d'une cinquantaine de textes et d'autres sont en cours de publication, tous inédits et permettant de contextualiser les documents du corpus. Ici, l'exemple d'un article sur la popularité du théâtre français au Brésil à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, article rédigé par une universitaire brésilienne. On voit que les documents auxquels l'article donne accès sont de typologies diverses, des recueils de pièces de théâtre, des estampes et des affiches, diverses illustrations et quelques enregistrements sonores, des enregistrements d'opérettes sur des disques 78 ou 80 tours. Je voudrais passer maintenant à l'ensemble des thématiques que nous présentons sur la page d'accueil, voilà, destinées à valoriser et à mettre à disposition du public un vaste ensemble de documents représentatifs des relations entre les deux pays du XVIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Le site témoigne à travers ces quatre grandes thématiques de la manière dont circulent les hommes, les idées et les savoirs, dont se forgent aussi les modèles et les imaginaires. Le corpus documentaire a donc été organisé en quatre axes, un schéma thématique qui permet d'aller des temps forts de ces relations franco-brésiliennes jusqu'à l'ère des sciences et techniques sur le quatrième axe. Chaque ensemble se décline en chapitres, regroupant plusieurs articles et proposant différents éclairages sur la thématique abordée. Je vous propose de passer maintenant sur le site en ligne. Nous avons ici la version portugaise. Je voudrais montrer la version française d'abord. Donc, on change de version ici. Parcourir un petit peu l'ensemble de la première page du site. Ici, les quatre rubriques dont je vous ai parlé. Au-dessous de ces quatre rubriques, après la mention des partenariats, au-dessous, nous avons quelques focus et des articles qui sont mis régulièrement en ligne et qui sont modifiés régulièrement. Le focus qui se trouve au-dessous de ces quatre articles que l'on voit à l'écran. Voilà, nous avons la présentation de la journée du colloque qui se tiendra jusqu'à jeudi, Brasiliana Brasilianas, et j'aurais voulu en fait passer sur le petit article du blog Gallica, la cartographie du fleuve Amazon, s'il te plaît, Joan. Nous pouvons cliquer sur l'article. Ce sont donc des articles qui apparaissent sur le blog Gallica, et je voulais passer rapidement sur celui-ci parce qu'il est Il est tout récent, il a été mis en ligne début du mois de janvier et c'est donc notre collègue de la Brasiliana, João Cardoso, qui l'a rédigé. Voilà, c'était une petite introduction à la façon dont se présente le site et dont on l'anime assez régulièrement. On peut passer maintenant, si vous le voulez bien, sur le site en version portugaise. Avec les quatre rubriques, les quatre articles qui apparaissent, nous allons passer sur le premier, les temps forts. Momentos-chave qui permet de mesurer à quel point l'histoire des relations franco-brésiliennes dès le XVIe siècle a été marquée par des épisodes mémorables. Si on passe sur le chapitre logique coloniale,
Nous allons voir qu'il se décline en 6 articles qui évoquent en particulier les tentatives d'implantation française qui, tout en échouant, ont néanmoins suscité des écrits majeurs, comme ceux d'André Thevet et de Jean de Bléry pour la France antarctique, et les récits des pères capucins Yves Dévreux et Claude d'Aboville pour la dénommée France équinoxiale, sur laquelle on peut passer. Dans la section, dans la section correspondant aux années 1789-1830, on traite des enjeux autour des idées subversives liées aux indépendances et à la question de l'abolition de l'esclavage. C'est sous cette rubrique que l'on trouve aussi des articles sur la mission artistique de 1816, que l'on peut montrer, suivi d'un article sur le peintre Jean-Baptiste Debré, qui s'installera à la cour de Don Pedro I et publiera, après son retour en France en 1831, 3 somptueux volumes illustrés, le célèbre voyage pittoresque et historique au Brésil. J'avais prévu que l'on fasse un petit focus sur le voyage, mais bon, la plupart d'entre nous le connaît et la technique aujourd'hui ne nous permet pas de faire des écarts. Nous allons passer au chapitre concernant les années 1920-1930. Ici, nous avons 3 articles qui viennent rappeler qu'au XXe siècle, les échanges culturels entre la France et le Brésil se sont renforcés grâce en particulier à des missions françaises d'enseignement dans les universités brésiliennes. Et que de jeunes universitaires français, on peut voir l'un ou l'autre des 3 articles, de jeunes universitaires français, parmi lesquels Fernand Braudel, Roger Bastide, Claude Lévi-Strauss, ont participé à la fondation des universités de São Paulo en 1934 et de Rio de Janeiro en 1935. Si nous passons sur le second grand axe intitulé « Courant transatlantique », nous voyons qu'il envisage toutes les formes et les modes de circulation de l'écrit qui se multiplient tant que l'on a même parlé au XVIIe siècle d'une invention du Brésil. Cela va des récits rédigés à la suite des expéditions de corsaires. Nous trouvons l'article concernant les expéditions de corsaires dans le chapitre Voyages, jusqu'aux relations des grands voyages d'exploration scientifique au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Alors les voyages scientifiques se trouvent tout à la fin du... les voyages, évidemment, les plus connus d'Auguste de Saint-Hilaire, de La Condamine ou de Rodrigues Ferreira. En passant aussi sur d'autres chapitres concernant les correspondances des missionnaires, 2 ou 3 articles évoquent les lettres des missionnaires jésuites et leur analyse. Et nous irons ainsi de récit en récit jusqu'à rencontrer également des journaux plus intimes, des récits plus confidentiels, en passant sur le chapitre concernant les voyages des femmes. Ce sont donc des journaux rédigés par des femmes, des voyageuses souvent méconnues, qu'elles soient simples accompagnatrices de leur époux ou aventurières. Voilà. J'avais prévu de faire un petit focus sur le journal de Madame Fraissinet, qui s'est embarquée clandestinement à bord du navire commandé par son époux.
Donc, si l'on dit qu'on a le document sur le voyage de Madame Fraissinet qui s'ouvre à l'écran, cela fonctionne-t-il rapidement? Voilà. Donc, l'un des exemples. Le second, en repassant sur le texte, nous pouvons cliquer sur le voyage de Madame Gaudin des Odonnés, qui est connu également, puisqu'elle a relaté le naufrage dont elle était la victime sur l'Amazone. Non, ce n'est pas cela, mais bon, ce n'est pas grave. Nous allons passer au troisième axe, troisième grand axe, littérature et circulation des idées, qui propose des éclairages sur certains mouvements littéraires et analyse le processus d'interaction ou d'innovation entre les littératures brésiliennes et françaises. On peut donner quelques exemples en passant sur l'article relatif au romantisme qui analyse l'œuvre poétique de Gonçalves Dias. Nous avons d'autres articles et sur les Parnassiens, sur le modernisme brésilien également, et les liens de Sandra et de Benjamin Perret avec le groupe des modernistes de São Paulo, pardon, ou encore les écrits à la fin du chapitre, les écrits de la féministe Nisia Floresta. Pardon. Dans ce même chapitre, les lettres en miroir s'intéressent à la littérature pour la jeunesse, au rôle des revues littéraires et à, par exemple, à Baptiste Louis Garnier, un libraire français qui s'est installé à Rio de Janeiro autour des années 1840. Passons maintenant au quatrième grand axe des arts, sciences et techniques, qui permet, lui, d'aborder les développements majeurs intervenus à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, qui ont concerné, on peut cliquer sur certains articles si Jouan y parvient, donc qui ont concerné la photographie, avec des articles sur Pierre Verger, sur Manzon et Gautereau, pardon, et des articles sur l'architecture et l'urbanisme et aussi l'ingénierie. C'est dans ce chapitre, tout à la fin, que l'on trouvera aussi un article très éclairant sur les enjeux de la cartographie, un puissant outil au service du développement des connaissances et des stratégies de pouvoir. Voilà. Mais avant de quitter le site en ligne et de revenir vers mon PowerPoint, je voulais que nous passions rapidement sur un article en particulier qui se trouve dans le chapitre « Momentos Chaves ». Alors, sur le site en ligne, voilà, sur le premier chapitre des temps forts, Momento Chave, et nous passons sur l'article qui s'intitule Esclavidon et anti-esclavismo, s'il te plaît, Jean. Pardon. Alors cet article, je voulais en fait vous le présenter rapidement parce que je trouve qu'il est intéressant à divers titres, mais notamment par la diversité de ses sources. Pour avancer plus rapidement et voir quelques-uns des documents cités, nous pouvons passer par le réservoir de documents, l'onglet Accessar Documentos.
l'onglet qui répertorie tous les documents, qui est en tête, voilà. Accessar documentos, on peut les afficher intégralement, enfin, afficher l'ensemble des images présentant ces documents. Voilà, exactement. Et on passe sur le premier, on vient sur le premier document qui est à l'écran, si la technique veut bien nous suivre. Non, bon, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas grave. En repassant sur le réservoir de documents et en cliquant sur la première image du réservoir de documents, nous avons un acte manuscrit, voilà, le 1er juin à gauche. Non, non. Voilà, le premier est celui-ci. Désolée pour ces problèmes de technique dont je suis responsable. Donc, cet article, cette image nous propose un document qui est un acte manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale du Brésil et qui traite de l'abolition de l'esclavage. Si nous revenons à l'ensemble des documents, le second document que l'on voit tout à côté est un exemple de la vingtaine de documents que l'on trouve référencés dans cet article et qui sont issus de la bibliothèque Gallica. Ce document-là, c'est l'un des ouvrages du célèbre abbé Grégoire, publié en 1826. Ensuite, nous avons un troisième document qui apparaît un peu plus bas, qui est un document issu du site du Sénat brésilien. Un livre publié par le sénateur Ottoni. Voilà, c'est pas grave si nous n'y arrivons pas, mais il est référencé dans l'image. Voilà, c'est celui-ci. Donc, pour vous montrer de nouveau une des sources documentaires intéressantes qui apparaît sur cet article-là. Trois articles proviennent du site du Sénat fédéral. On va passer sur les trois. Il y a également, si l'on revient sur l'image, voilà le Joaquim Nabuco qui est référencé ici. Alors, il est en mode image, donc c'est l'ouvrage sur l'abolition, la page de titre. Voilà, merci Joan. Cinquième document, c'est celui qui est issu de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il est un peu plus loin. C'est une correspondance provenant du fonds Ferdinand Denis. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, on peut cliquer et parcourir le document. Voilà. Ensuite, j'avais prévu de revenir au fil du texte et de cliquer sur certains documents, mais je pense que cela va être difficile pour Joan de retrouver mes items et mes références. Donc, je veux simplement vous dire que cet article propose également des documents issus de la bibliothèque numérique Manioc, qui est la bibliothèque spécialisée dans le plateau des Guyanes et le bassin amazonien. On trouve également, alors je crois que nous en avons eu un, voilà, Manioc, qui est là. On trouve également référencé dans cet article
trois ouvrages issus du fonds de la Brasiliane, l'ouvrage de José Bonifacio et deux autres. Bon, nous avons vu le Joachim Nabucco. Mais bon, nous pouvons quitter cette navigation en ligne qui pose certains problèmes. Merci, Joan. Nous pouvons revenir à mon PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Voilà, ce sont plus de 2000 documents numérisés qui sont donc ici accessibles et cette collection est évidemment appelée à s'accroître par le biais d'articles qui mettront à jour de nouvelles recherches et des documents encore inexploités. L'image suivante récapitule simplement les différents types de supports, mais bon, si l'on clique, voilà, nous avons donc des imprimés, livres et périodiques, des manuscrits, des cartes, des photographies. Et également, j'avais prévu de vous donner quelques secondes d'un petit intermède musical, un bref extrait. Il s'agit d'une chanson intitulée « Estrela do Céu » qui figure sur un disque publié en France et inédit au Brésil, publié en 1930, qui s'intitule « Chant populaire du Brésil ». On peut donner quelques notes de cette chanson brésilienne si l'on clique sur le support. Non, ça devrait marcher, mais en cliquant sur le disque, sur le support, non. Tant pis pour le petit intermède musical, mais ça fonctionnait. Pour la petite histoire, la chanteuse que l'on aurait pu entendre est Elsie Houston, qui a été l'épouse de Benjamin Perret. Voilà. Nous passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce corpus qui s'est étoffé régulièrement au rythme de diverses campagnes de numérisation au sein des deux bibliothèques municipales a bénéficié également d'un enrichissement extérieur grâce à des partenariats noués avec d'autres institutions. Ainsi, en 2016 et 2018, deux conventions ont été signées, la première avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève, afin de numériser le fonds Ferdinand Denis. Et en 2018, le site s'est enrichi de documents issus de la bibliothèque numérique Manioc, spécialisée sur la Caraïbe, le plateau des Guyanes et le bassin amazonien. Et enfin, en 2019, une convention a été signée entre la BNF et la Brasiliane. Je reviens quelques secondes sur la convention signée en 2016 entre la BNF et la Bibliothèque Sainte-Geneviève que l'on voit sur la diapo suivante, qui a donc permis de numériser et de verser dans Gallica environ 340 documents issus du fonds Ferdinand Denis, mais sur lequel je ne m'attarde pas puisque deux communications sont prévues au programme. Le développement du site a suscité diverses manifestations culturelles, un écho à des événements liés à l'histoire franco-brésilienne. Voilà, donc trois rencontres en particulier, la journée d'études intitulée Indianité et indianisme qui s'est tenue à la BNF en 2011, Olliares Cruzados, qui était un colloque organisé par la Bibliothèque nationale du Brésil à Rio en 2012, et le moment 1816, un autre colloque international qui s'est déroulé à Paris sur deux journées à la BNF et à la Maison de l'Amérique latine, célébrant à la fois le bicentenaire de la mission française au Brésil et l'œuvre d'Auguste de Saint-Hilaire et celle de Ferdinand Denis.
des liens vers ces enregistrements, ou l'enregistrement en tout cas de certaines de ces manifestations sont proposés sur le site. Voilà. Enfin, c'est l'accès aux documents numérisés qui s'effectue, comme la diapo le montre, via les bibliothèques numériques des deux bibliothèques nationales, Gallica pour la BNF, via les patrimoines partagés, enfin en passant ou pas par les patrimoines partagés, et via Benin Digital pour la Bibliothèque nationale du Brésil. Et évidemment, des liens d'accès aux documents figurent sur les sites des autres institutions, des institutions partenaires. En guise de conclusion, je voudrais évoquer et saluer au nom de toute l'équipe du site notre collègue Angela Montero-Bettencourt, qui nous a quittés en avril 2021. Angela a joué un rôle déterminant dans la création de ce site, car elle était la personne clé au sein de la Bibliothèque nationale du Brésil, puisque c'est elle qui est à l'origine de la création de la BN Digital en 2006. Ses compétences, son dévouement, sa remarquable conscience professionnelle étaient reconnues de tous, et je crois que vous êtes nombreux ici à l'avoir croisée et appréciée. C'était une femme d'une générosité incroyable, une personne profondément bienveillante et la plus aimable qui soit. Mais je ne voudrais pas terminer cette présentation sur cette seule note. Aguardamos um pouco a Regine voltar. Aguardamos um segundo, a Regine se reconectar, por gentileza. Só mais um minuto, ela está voltando. Agora. Bom, certamente esse é um dos piores aspectos do encontro virtual, esses problemas técnicos. E vamos esperar a Regine voltar, mas eu não queria... vamos ver se ela volta agora. Enfim, nada disso ocorreria num encontro presencial, lamento muito.
Enfim, eu vou apenas fazer uma palavra aqui. Bom, eu queria agradecer a Regine Persanti pela maravilhosa conferência que ela fez e talvez destacar alguns pontos que me pareceram particularmente importantes da conferência dela para a nossa reflexão nesses três próximos dias. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a justa homenagem que ela faz à Ângela Monteiro Bittencourt, que foi uma pessoa com quem eu tive também a ocasião de interagir em várias oportunidades e estabelecer relações entre a Brasileira Mindra e a Biblioteca Nacional, uma pessoa que teve uma atuação pública absolutamente decisiva para impulsionar projetos, inclusive o site França Brasil, no qual ela colaborou profundamente. E acho que esse é um aspecto importante, né, do tipo de atividade pública que a Ângela Monteiro Bittencourt realizou. E um outro comentário muito breve, apenas para alimentar a nossa reflexão, como eu disse há pouco, né, como a importância, talvez, a gente considerar políticas públicas para impulsionar projetos, né? Vejam que, no caso de uma atividade promovida por dois estados, França e Brasil, que foi em 2009, o ano da França no Brasil, a partir dali se disparam, se desencadeiam projetos que mobilizaram uma quantidade significativa de pessoas. No caso específico do projeto A França no Brasil, como se chamou inicialmente, como a Regina expôs em 2009, a colaboração de 40 pessoas entre professores universitários, tradutores, sem mencionar a equipe técnica, né, e como a partir disso se consolidou efetivamente né, um projeto público como o site França Brasil, que ela apresentou para a gente aqui, e uma reflexão que está embutida e que dialoga diretamente com as nossas preocupações desse colóquio, que são o que se encontra expresso no site nesses quatro eixos, que são maneiras, justamente os quatro eixos, de ampliar a discussão sobre o que é uma brasiliana, né? As relações entre França e Brasil, que a gente pode, obviamente, extrapolar a relação entre Brasil e qualquer outra região do mundo. As circulações, no caso aqui, um tema que evoca debates importantes para os historiadores, em particular, que ronda a nossa bibliografia há cerca de 70 anos, ou um pouco mais do que isso, que é a circulação atlântica de ideias, né, entre todos os continentes, entre África, Europa, América, mas que, obviamente, não se limita ao espaço atlântico e extrapola, né, largamente para o resto do mundo. O terceiro eixo, a literatura e ideias, né, e como as ideias podem consubstanciar práticas sociais. E, finalmente, os eixos destacados no último bloco, que são artes, ciências e técnicas, né? Às vezes, as ciências e as técnicas sendo um pouco relegados pelas humanidades e, no entanto, a história da ciência sendo um campo de reflexão extremamente importante para as ciências humanas, para a história em particular, né? Eu não tenho mais o retorno da Regine Persanti, não sei se pelo menos som, Regine, você está por aí? Regine, acho que você está lá? Oui. Oui, merci. Je voudrais vous remercier. J'ai fait un bref commentaire et résumé de votre réflexion à laquelle je vous remercie infiniment. C'était vraiment très intéressant et passionnant. Et je vous laisse la parole pour conclure avant qu'on passe à la prochaine table, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ma conclusion tout à l'heure ou pas du tout, partiellement. Ça a été coupé au moment du rappel du nom d'Angela Monteiro Bittencourt. On était arrêté là. Juste au début, lorsque j'ai commencé à parler d'Angela. Oui, oui. Donc, je voudrais de nouveau quand même saluer... saluer Ângela Monteiro Bittencourt qui nous a quittés en avril 2021 et qui était vraiment la personne clé au sein de la Bibliothèque nationale du Brésil. Elle est à l'origine de la création de la BN Digita, ou la Bibliothèque numérique, en 2006. Et ses compétences, son dévouement, sa remarquable conscience professionnelle étaient reconnues par tous. Et je crois que vous êtes nombreux ici à São Paulo à l'avoir croisée et appréciée. C'était une personne d'une générosité incroyable, profondément bienveillante et la plus aimable qui soit.
Et avant de vous quitter, je trouvais un petit peu dommage de vous quitter aussi sur une note très triste, aussi triste. Donc, je voulais simplement profiter de ce moment pour annoncer une meilleure nouvelle pour nous, l'arrivée d'une nouvelle venue dans l'équipe qui anime le site France-Brésil. C'est la collègue qui m'a remplacée à mon poste à l'Académie nationale de France depuis le mois de septembre. Elle s'appelle Maude Lageste, et c'est une excellente brésilianiste. Voilà. Obrigada pela atenção et merci. Merci beaucoup, Régine Pessanti. Merci encore. Et la bienvenue aussi à Maude Lageste qui est avec nous. Elle s'est exprimée sur le chat. Elle est avec nous. Soyez la bienvenue. Eu agradeço a presença de todos vocês e eu encerro essa conferência de abertura do evento Brasiliana Brasilianas. E vou me permitir, vista a hora, de já antecipar um pequeno atraso na mesa de abertura. Eu vou propor que a gente volte às 10h05, horário do Brasil, 14h05, em França. E eu lembro a vocês o aviso que já passou pelo chat, eventualmente eu peço para o João reproduzir o chat, mas o link da mesa 1 é outro, está ali no chat, não é o mesmo link no qual nós estamos agora, vocês devem sair desse link e entrar no link que está ali no chat, tá bem? Então, muito obrigado à presença de todos vocês, merci encore, Regine Persanti, merci à tous, e nós nos encontramos, portanto, daqui a 7, 8 minutos na mesa 1. Muito obrigado a todos. Obrigado, João, em particular, e Francisco, pelo apoio técnico.